you? Salut à tous, c'est Ralga pour ce 10e épisode de Regardant le Rétro sur Pokémon Jaune. Donc, nous sommes actuellement à Céladopol. Donc, je vais faire un peu de ménage dans mes Pokémon et dans mes items. Parce qu'on a toujours un problème de place dans les sacs. Donc, le programme d'aujourd'hui, ça va être d'aller à Safrania. Donc de faire le bâtiment de la Scopsif envahi par la Team Rocket et j'espère l'arène de Safrania, sachant que là je commence à être vraiment juste en level parce que mes Pokémon je dois en avoir un ou deux qui est au-dessus du level 30 et il me semble que Morgane, la championne de Safrania, a des Pokémon level 40-50, un truc du genre. Donc là, je vais au sommet du centre commercial pour récupérer une boisson. J'aurais dû le prendre quand j'étais chercher les CT. Il y a deux épisodes de cela, je crois. Mais j'ai oublié, en fait, tout simplement. Hop, donc on a besoin de prendre une boisson, en fait, pour le... pour le garde à l'entrée de Safrania, qui ne me laissera pas passer sans une boisson. Hop. Et je vais prendre quelques items. Voilà. Quelques balls, ouais, même si j'ai pas l'intention de reprendre des Pokémon en fait. Surtout des super potions. Alors, il faut que je gère mon argent. Et quelques rappels, on sait jamais. Hop. Et je peux vendre le repousse, j'en ai plus utilité. De toute façon, ça va pas repousser les Pokémon qui m'intéressent. Les Pokéballs, j'en ai plus besoin. J'ai deux pépites. Hein. Bon, bah voilà. Et le réveil, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Vu que j'ai la Pokéflûte maintenant, en fait. Hop. On va pouvoir commencer. Donc, je vais mettre le Reptincel en premier. Parce que je voudrais vraiment que Reptincel évolue en Dracaufeu. Voir un Pokémon avec vol. Hop. Ça doit être bon, donc on va pouvoir aller à Safrania. Hop, bicyclette. Donc, je vais pas m'attarder, mais à Safrania, nous ne pouvons pas entrer dans la plupart des bâtiments, en particulier l'arène, parce que tous les bâtiments sont bloqués. Par des membres de la Team Rocket. Donc on est obligé de faire le bâtiment de la Scopsylph envahi par la Team Rocket pour ébattre Giovanni à la fin, spoiler, pour accéder au bâtiment. Après, les bâtiments en eux-mêmes, je m'en fiche un peu à part un. Et la reine, évidemment. Donc on va voir si j'ai des bons souvenirs de ce bâtiment assez insupportable. Donc il faut que j'aille très très haut en fait. J'ai besoin de récupérer une carte magnétique. Qui est à un endroit bien précis. Pour ouvrir des portes fermées qui ne peuvent être ouvertes que par la carte magnétique. Et l'intérêt ici, c'est dans ce bâtiment, c'est les téléporteurs. Et du coup on est très vite très perdu. Oui. Donc je vais... en fait, là, je vais surtout récupérer une CT. La CT séisme. Qui va me mettre très utile. Que je vais apprendre d'autres trio pickers, en fait. Donc là, je mets Spectrum parce qu'il est insensible aux attaques combat et normales.
font des dégâts. Hein, même si Grosieux est une attaque normale, je suis pas insensible. Bon, après, il faut qu'il y ait encore qu'il réussisse à attaquer. En fait, il va même pas me réussir à me faire des dégâts. Je suis même pas sûr qu'il puisse en fait. Oh purée, je l'ai pas tué. Ouais, bah baisse ma défense si tu veux. Ah, bref, voilà. Reptincelle niveau 20, c'est bien ça. Et Spectrum, toujours level 28. Ah, il avait un seul Pokémon, voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Carbone qui up, je ne sais plus quelle stat. Un super bonbon, c'est cool. Et normalement, ici, c'est la CT séisme. Hop. Donc, on va utiliser tout ça. Le super bonbon sur Reptincelle, parce que je lui ai dit que je voulais justement up le Reptincelle. Carbone. Qui me semblait, c'est bien la vitesse. Parce qu'en fait, à terme, j'aimerais bien que Ronflex soit mon Pokémon de base. Parce qu'il a énormément de défense. C'est un sac à PV, il a très peu de contre à cause de son type normal pur. Savoir que les seules attaques. Enfin, sa seule faiblesse, c'est les attaques combat. Et en contrepartie, lui il fait avec les attaques normales, il ne pourra pas toucher les spectres. Sauf que comme je lui ai appris laser, glace, surf et tonnerre, en fait j'ai pas que des attaques de type normal. Mais le gros inconvénient de Ronflex, évidemment, hein, c'est sa vitesse ridicule. Hop. Voilà, c'était l'endroit où je voulais aller. Donc lui, je pouvais pas l'éviter. Hop. Oh, encore un roquette avec un seul Pokémon. Tant mieux. Arbok, Pokémon poison ou normal poison. Bah, on va y aller avec un spectre poison. Intimidation. Ah d'accord, ok. Bon, Darvenin par contre, comme c'est un Pokémon poison Spectrum, ça me fait rien du tout. Bon, gros yeux passe forcément. Ah, j'ai pas pu faire ténèbres parce que j'étais paralysé. Je sais pas si c'est très efficace ténèbres. Bon, ça va. Ah, par contre, il n'est plus fou. L'onde folie est vraiment une attaque extrêmement cheatée. Disons que, contrairement à Ultrason qui a une chance de rater, onde folie, il me semble qu'elle ne peut, pas rater. Curée de paralysie de... Bref. Je vais rester poli. Ah bah tiens, un combat d'handicapé. Deux paralysés l'un en face de l'autre. Ouais, un critique de l'échouille maintenant quoi. Hop, donc le roquette est battu. Ça me dérange par contre le spectrum paralysé franchement. Donc la carte magnétique est ici. Je vais pouvoir normalement maintenant accéder à tout ce que je pouvais accéder. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme item ici? CT09. Qu'est-ce que c'est CT09? Bélier. Alors une attaque normale au combat qui fait que. Non, si je dis pas de bêtises, parce que je l'utilise pas souvent.
mais j'en ai pas de grands souvenirs. Il me semble que ça fait pas mal de dégâts, mais tu te prends des dégâts en contrepartie. Un peu. Hop. Voilà. Donc là, nous avons notre ami Régis. Régis est un con. Notre rival. Hop, toujours aussi nul. Bah, on va voir ça tout de suite. Hein. Donc c'est là, je pense qu'on va pouvoir voir que je suis un peu underlevel. Sablero, level combien? Voilà, 38 quoi. Son premier Pokémon, qui est son Pokémon le plus faible, est level 38. Sachant que mon plus puissant est level 33. Et du coup, je vais passer avec mon Pokémon Tank. Je sais pas si c'est une bonne idée. Putain, tranche là. Aouh! Tranche critique, lui a enlevé la moitié de sa vie. Bon, ça, ça passe. C'est moi où sa barre de vie a complètement bugué. Enfin, au moment où j'ai fait laser glass. C'est très efficace, mais je lui enlève pas grand chose. Hein. Bon, on va devoir. Ah ouais, mais comme il a 137 PV, je lui enlève. Je lui ai rien mis avec la super potion. Coup de boule, ok. Oh, le météore critique, c'est pas cool ça. Bon, voilà. Bon, Fenard. J'ai pas de Pokémon No sous la main. Bon, je remets. Commande. Reptincelle. Juste pour l'XP. Mais j'ose espérer qu'il va tanker la première attaque. J'espère. J'espère vraiment. Bon, c'est bon. Ah, c'est une vive attaque critique en plus. Si je dis pas de bêtises, le sol est fort contre le feu. Bah, en plus, il fait mi-queue, c'est bon. Séisme. Hop. Et c'est un one-shot. C'est bien s'il me semblait. Le sol est fort contre le feu. Hop. Trio PK 34. C'est là qu'on voit que par exemple Ronflex a quasiment le double de vie de Trio Picker. Bah, l'idée là ce serait d'y aller, vu que c'est un Pokémon d'y aller avec Pikachu, mais. Level 19, je risque d'en chier un poil. Et donc. Oh! Wow. Bon bah voilà, un Spectrum n'est plus paralysé, il est mort. Ah oui, il a tonnerre au flex. Hop. Bon, je suis. Faudrait que j'en fasse 3 quand même. Mais s'il fait que des reflits qui hop sa défense, ça me fait une belle jambe vu que ça passe sa défense spéciale. Défense spéciale qui n'existe pas d'ailleurs en génération 1. Tout, la défense spéciale et l'attaque spéciale sont réunies en une seule stat, le spécial. Non, ne te fais pas des dégâts tout seul. Voilà. Merci. Étincelle 23. Encore 13 levels, il me semble. Il me semble que c'est 36 l'évolution en Dracaufeu. Purée. C'est lent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pof. Le cadavre me fait un peu peur. En fait, je pense que je vais sacrifier le Pikachu. Parce que là, je pense que le Pikachu va mourir. Va être atteint de décès. C'est bien ce qu'il me semblait, il est atteint de décès. Mais ça m'a permis de rep le Ronflex. Alors je n'utilise pas repos à cause de son sommeil. Même si je pourrais utiliser la Poké Flûte derrière.
Ça me fait deux tours où je n'attaque pas, quoi. Oh, j'aime pas ça. Survie, survie. Ah ouais, laser glace, ça lui fait pas grand chose. Le truc, c'est là, si je me prends rafale psy, je meurs quand même. Oh la péripatéticienne. Bon, ok. Je vais tenter une attaque contre Boulou, je sais pas, je me. What? D'où ça lui a enlevé tout? Ah, il a peut-être pas une très faible défense Kadabra en fait. Une défense physique très faible. Voltali. Bon, Trio Picker. Sans hésiter. Darnué qui est une attaque insecte qui attaque plusieurs fois. Bon, ça va, il tanque bien. Hop. Et c'est un deuxième one shot. Un séisme est vraiment cheaté. Hop. Il va falloir que je me débarrasse de Giovanni derrière. Goviani, Giovanni. Giovanni. Je parle pas italien, donc je sais pas. Blablabla. Hop. Donc je vais parler à ce cher dresseur. Parce que en fait, je vous l'avoue, je compte garder le Loclass dans ma team, même s'il est que level 15 pour l'instant. Parce que c'est un Pokémon putain de glace eau. Et les Pokémon glace. Enfin les attaques glace sont la seule faiblesse des Pokémon dragons. Avec les attaques dragons, mais il n'y a pas d'attaque dragon. Donc bon, allez, on va tenter Giovanni comme ça. Oh purée, il y a eux aussi. Oh, je les avais oubliés. Oh purée. C'est vrai, il y a les casse-couilles de la Team Rocket. Jesse, James, Buraki, tu as la lumière. Rendez-vous tous, ce sera la guerre. Miaou, oui, la guerre. Mais comme il y a deux Pokémon poison, Trio Picard devrait faire l'affaire. J'espère. Ouais, en plus, il fait charge. Ah, ça m'enlevait pas mal quand même. Parce que là, comme du coup, une attaque seule sur un Pokémon poison pur, ça va leur faire un deuxième trou là où je pense, et si je peux m'exprimer ainsi. Hop. Arbok. Je vais remettre l'aura de pincelle hein, pour l'XP. Hop, Trio Picker. Morsure. Est-ce que je vais tanker ça? Oui. Est-ce que séisme va le one shot? Je dirais bien oui aussi. C'est un poison comme Smogogo. Voilà. Il va rester le Miaous. Pokémon normal. Je sais pas trop ce qu'il a dans la main. Enfin, ce qu'il a dans la main. Ce qu'il a comme attaque, pardon. A priori, jackpot au moins. Un truc que genre griffe ou tranche, je dirais. Mais après, je sais pas trop à quoi m'attendre. Bah, jackpot, on en parlait. Est-ce que ça va le one shot? Ce serait bien. Eh bah c'est un nouveau one shot. Reptincelle level 24, frénésie. Qu'est-ce qu'il a comme attaque Reptincelle déjà? Oh, je vais virer réjouissement. Hein. Frénésie. Nous sommes donc plus qu'à 12 levels du Dracaufeu. Bon voilà. Nous pouvons enfin aller taper
Oh purée, là j'ai des... J'ai plus de super potions. Je crois, j'ai mal vu. On va le tenter comme ça. Même si je sens que ça va être... ardu, on va dire. Donc là, je vais pas m'amuser face à Giovanni le reptincelle, vu que je suis un peu... avec des Pokémon affaiblis. Giovanni qui a des Pokémon sol normalement, plus un persian. Voilà, un seul poison. Seul poison, avec quoi je le dépop? C'est une bonne question. Défense spéciale. Ok, bah je vais y aller au physique. Hein. Ah, oh, par contre, ça c'est un attaque combat. La seule faiblesse de Ronflex. Heureusement que c'est un sac à PV. Hop. Oh, j'aime pas trop beaucoup ça. Ouais. Bon, Nidorino est mort, mais j'ai peur pour la suite. Persian. Pokémon normal qui du coup doit avoir jackpot et tout ça. Comme le Miaouss en fait. Alors je vais espérer qu'il n'ait pas énormément de vitesse. Et pour le one-shot au séisme. Bon, j'attaque en premier, c'est déjà ça. Et bah c'est un one-shot, c'est un séisme critique. Tranche, ça c'est bien tranche. J'ai oublié à la place de griffe. Je peux pas lui enlever coupe. Hein. Rhinocorne, un sol pur, je crois. Normal sol, peut-être. Je sais pas trop. Bon, apparemment, le Triopicker a pas mal de vitesse. Ah, je l'ai pas one-shot. C'est très efficace, d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Bon, séisme. De toute façon, j'ai pas l'intention de faire d'autres combats maintenant. Enfin, d'autres dresseurs après. Avant d'aller au centre Pokémon, donc ça sera bon. Et Nidoqueen. Donc un poison sol aussi. C'est très efficace. Merci le type poison. Bon, là par contre. Ouais. Est-ce que je le tente avec Reptincelle pour qu'il chope toute l'XP? Purée, j'ai pas eu le temps de faire. Ouais, bon, bah voilà. Je voulais tenter le repos pour le soigner. Bon, au moins, il n'attraquera peut-être plus. Ah bah vas-y, suicide-toi. Bon, il est pas mort, mais bon, il va... Là, maintenant, il va être mort. Hop. Bah c'est chopé. Spectrum qui a chopé toute l'XP, du coup. Donc voilà, nous avons battu Giovanni. Hop. Donc je vais quand même aller voir le patron de la Sylph. Hop. Donc là il me donne la Master Ball. Ball qui dans cette run ne me servira à rien. En fait je me demande pourquoi j'ai acheté du Super Ball tout à l'heure. Parce que je n'ai plus l'intention d'attraper d'autres Pokémon. Hop. Et on va aller au centre Pokémon. Ah merde! Ah par contre c'est le centre Pokémon de Céladopole. Ouais parce que j'ai pas été à Suite Safrania donc c'est le dernier que j'ai visité. Purée. Mais... Voilà.
Bon, ça va qu'il n'y a pas trop d'eau, il n'y a pas une grosse route entre les deux, hein. Bon, on va aller au centre Pokémon. Voilà. On va soigner tout ça. Donc, nous sommes à combien de vidéos? 25 minutes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Déjà, je vais sauvegarder, ça me paraît une bonne idée. Bon, je cherche une maison en particulier. Où est-elle? Ah purée, ça va, on peut. C'est pas elle. Hop. Donc l'arène est juste en haut à droite. Il y a le dojo et qui est une deuxième arène. Peut-être qu'on la fera pour le XP. Hop, hop, qu'est-ce que. Des hyper potions, ça me paraît bien. Hyper en plus, ouais. Bah c'est tout. Voilà. Donc on va aller faire l'arène, mais. Je cherche à aller où la maison de Monsieur Psy. Ah, elle est là. Hop, voilà. C'était lui que je cherchais. Alors, c'était 29, qui est la CT d'une des attaques les plus cheatées du jeu, à mon goût, Psycho, que je vais apprendre tout de suite à un Pokémon, à Spectrum. Sérieux, Ronflex peut l'apprendre aussi. Ouais, mais non, il y a déjà Laser Glace, Surf, Tonnerre, ça fait assez d'attaques cheatées sur un seul Pokémon. Hop. Puis on va tenter d'aller faire Morgane. Hop. Donc là on retrouve les téléporteurs qu'il y avait dans le bâtiment de la Sylph-Sarl. Hop. Alors. Normalement c'est ça et ça. Voilà. Bonjour Morgane. Alors qu'est-ce que j'ai comme Pokémon en premier? Ronflex en premier, c'est tentable. Le truc c'est que je vais jamais attaquer en premier avec Ronflex. Parce que putain qu'est-ce qu'il est lent. Du coup faut qu'il tienne la première attaque. Abra. Level 50. Ah ouais. C'est le plus faible. Ah, défense plus, qui est une défense contre le physique. Je sais pas si je vais le. Effectivement, non. Purée flash. Purée encore flash. Je vais pas réussir à l'attaquer. Si c'est bon. Donc, hop, de l'XP pour on flex. Kadabra. Hop. Vague psy. Qu'est-ce que ça fait? Pas très mal. Ah, et par contre, il a toujours sa précision de baisser à cause de flash. Ouais. Aïe. C'est embêtant. Je vous le cache pas. Telekinesis, je sais pas ce que ça fait. Je sens pas que ce soit une attaque qui fasse des dégâts. Bon, ça va. Séisme, ça lui fait assez mal. Mets de la défense plus si tu veux. Je vais t'attaquer avec une attaque spéciale, il me semble, Séisme. Voilà. A plus Kadabra. Et à la Kazam.
Bah, je vais le tenter au séisme aussi, hein. Ah ouais, putain, il a soin. Purée, pardon. Bon, ça sert à rien parce qu'il était déjà full vie, mais ça risque d'être lent si je le dois le tuer en plusieurs fois. Et Psycho, ça fait quoi, ce trio Picard? D'accord, ça le one shot. C'est pas sympa. C'est pas sympa, monsieur Alakazam. Alors, on de folie, on va essayer de le rendre fou, hein. Hop. Je sais pas si Psycho ça fait des dégâts sur. Oh purée. Bon. Tout est à refaire. Ah, ça remonte pas toute sa vie, ça lui fait uniquement un pourcentage fixe de dégâts. Ah d'accord, donc Psycho sur un Pokémon. Si, ça ne sert à rien. Donc il se fait des dégâts tout seul. Ténèbres, qu'est-ce que ça fait? Pas grand chose. Je vais essayer de l'endormir. Ah, c'est bon, ça passe. On va espérer qu'il dorme assez longtemps pour pas qu'il ait le temps de faire un soin. Sachant que là, il va falloir que je fasse ténèbres 2-3 fois peut-être. Bon, il dort encore. Allez, un petit ténèbre critique et c'est plié. Ah bah. Elle était même pas critique d'ailleurs. Bon bah, malgré mes 15 à 20 levels d'écart, c'est fait. Je suis assez surpris en fait. Hop. Hop. Donc là, nous sommes à 32 minutes de vidéo. Donc bah, on va s'arrêter ici. Je vais retourner au centre... c'est quoi ça? Vac Psy. On va retourner au centre Pokémon. Hein. Alors je suis une grosse feignasse. Donc je vais y aller au tunnel. Hop. Et puis bah, on va en s'arrêter ici. Hein. Je vais sauvegarder tout ça, tout ça. Et puis bah... Ça doit être tout. Donc partagez ces vidéos si elles vous a plu. Suivez Asun sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et puis à la semaine prochaine. Ciao !